c'est une grande innovation parce que ça va permettre beaucoup plus de rapidité, de fluidité au niveau des transactions financières. Et donc, si c'est en plus une banque publique qui a pu le faire, c'est déjà aussi quelque chose de très important. Il faut se rappeler que ces banques publiques étaient en difficulté il n'y a pas 5 ans. Et aujourd'hui, ils sont capables d'être dans l'innovation. Et comme vous l'avez vu, l'équipe du projet est une équipe jeune. Donc la direction générale de la banque leur a accordé beaucoup de confiance. Et vous voyez que la confiance et le talent payent à la fin. C'est une nouvelle étape. C'est une étape qui démontre que les bases nécessaires pour faire de l'innovation sont là. Le système d'information de la banque aujourd'hui supporte ce type d'innovation. Le digital, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Toutes les banques doivent passer. Nous sommes très contents que ce soit une banque nationale, une banque publique, que cette banque l'ait fait avec des compétences tunisiennes, avec une équipe jeune qui ont travaillé sur... Et c'est un challenge. Ce qui nous a marqué aussi aujourd'hui, c'est cette volonté d'aller vers un avenir qui est meilleur et cette appropriation des cadres de la banque, de ces jeunes au niveau de, qui ont travaillé sur ce projet pour que leur banque soit toujours sur cette lancée avec de nouveaux produits. Notre économie, c'est une économie ouverte et tous les services, que ce soit financiers, logistiques ou autres, doivent être au niveau de ce qui se passe à l'international. C'est aussi des éléments de compétitivité et c'est des éléments qui vont nous permettre de faire la relance tant attendue. Monsieur le directeur général a dit quelque chose de très important. Il a dit aussi que ce nouveau système d'information aussi, il a un avantage extrêmement important en termes de lutte contre la cybercriminalité. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Aujourd'hui, le monde bancaire doit être intégré, doit partager les informations. Et que ce qui se passe, comme il l'a dit, ce qui se passe dans le dark web, il faut qu'il se passe dans le, ce que j'appelle un peu le white web. Donc c'est très important aujourd'hui que toutes les banques intègrent le plus rapidement possible donc, toutes ces innovations et qu'ils collaborent et coordonnent ensemble leurs activités pour qu'ils puissent être aussi capables de se sécuriser contre les intrusions. Ça, c'est aussi important. Le digital, c'est important pour ces nouveaux produits qui s'adressent aux grandes entreprises. Mais le digital aussi peut être une composante essentielle pour une inclusion financière plus importante. Et là aussi, ce sont des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler avec la Banque centrale, avec le ministère des Télécoms. Donc, et ça, c'est un nouveau défi. Nous avons à notre côté tous les éléments qui vont nous permettre de réussir ce nouveau challenge, d'aller vers les PME, d'aller vers les personnes qui aujourd'hui ne bénéficient pas de produits de financement et qui n'ont pas accès au financement. Et le digital va nous permettre de réduire le coût de cet accès et d'aller là où les banques classiques ne peuvent pas aller avec l'ancien modèle. Et c'est le nouveau challenge, aller vers les grandes entreprises pour leur offrir ce qu'il y a de mieux à l'international, utiliser le digital aussi pour faire de l'inclusion financière et aller aux gens qui ne sont pas aujourd'hui couverts par les banques classiques. C'est aussi de faire quelque chose de très important, donner la possibilité aux jeunes entreprises technologiques, donc les fintechs, de développer aussi leur activité. Tout ce qui est inclusion financière, tout ce qui est aujourd'hui interopérabilité, tout ce qui est accès donc aux gens qui n'ont pas accès au financement aujourd'hui, de pouvoir le faire à travers leur téléphone ou à travers des cartes de paiement dédiées pour faire utiliser moins de cash dans l'économie, ça passe aussi beaucoup par ce que j'appelle les fintechs. Et aujourd'hui, il y a l'écosystème tunisien, aujourd'hui regorge de compétences, d'entreprises capables de le faire. Il faut juste ouvrir les marchés, faire en sorte à ce qu'il y ait cette bonne coopération et coordination entre à la fois les banques, les entreprises technologiques, les fintechs, les nouvelles start-up qui travaillent dans le système bancaire et financier. Ça fait un écosystème qui va permettre de développer, donc de combattre l'inclusion financière, mais aussi de développer de nouveaux talents qui vont permettre aussi de développer donc, ces technologies-là à l'international. Et c'est cet écosystème qui va nous permettre de gagner les 2 points de croissance nécessaires pour la création d'emplois.